الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا إن تمسكنا به خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتح لمن طالها صادقا باب الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي جعل الله بعثته وإرساله للعالم رحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شفاج سنة ما شاء الله Et nous prions sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous rendons toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui a parachevé pour nous notre religion et a complété sa grâce sur nous. Et il a fait de nous, cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés si nous nous attachons à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique, l'absolu, le sens associé. Et l'attestation qui fait ouvrir la porte du paradis à tout celui qui le dit de manière sincère. Et nous attestons également que Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est ce messager que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sa révélation et de sa mission la miséricorde pour l'humanité, paix et salut sur lui, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Chers frères et sœurs dans la foi, nous devons aimer Allah subhanahu wa ta'ala et aimer le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car aimer Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de l'adoration, chers frères en islam. Et c'est une manière d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits que Allah nous a fait. Et nous devons reconnaître cela et nous devons aimer Allah subhanahu wa ta'ala et aller plus que toute chose. Et c'est la primauté de notre amour, c'est-à-dire la première des choses que l'homme doit aimer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aimer Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères musulmans, à des manifestations, des signes qui montrent que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces grands signes de montrer que nous aimons Allah, c'est le fait de suivre Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah lui-même nous les a proclamés de manière claire. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. Donc Allah dit, si y a Muhammad, il faut leur dire, si vraiment que vous aimez Allah, alors suivez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah va vous aimer, chers frères musulmans. Et parmi les signes qui montrent que nous aimons Allah, c'est le fait d'aimer ce que Allah aime et détester tout ce que Allah déteste, chers frères musulmans. Tout ce que Allah aime et tout ceux-là que Allah les aime, nous devons également les aimer et détester tout ce que Allah déteste et tout cela que Yali, Allah ne veut pas, chers frères, en islam. De la même manière, après l'amour d'Allah, nous avons l'amour du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre deuxième amour, après l'amour d'Allah vient l'amour de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons l'aimer sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les créatures, chers frères en islam. Après l'amour d'Allah vient directement l'amour de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos enfants et plus que nos richesses, chers frères en islam. Personne ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que ses enfants, plus que ses parents, et plus que lui-même, et plus que toutes les créatures. Voilà pourquoi les signes d'amour de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam consistent également à suivre les recommandations de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à suivre la sunna authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué et en même temps faire revivre cette sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef en islam. Et ça, c'est ainsi que nous aimons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, chef en islam, nous devons prendre Allah et en même temps s'attacher, s'accrocher à notre religion. Car notre victoire et notre grâce demain, c'est dans cette religion
et utiliser tous les moyens qui viennent pour distraire l'homme de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la véritable religion chef en islam. Et parmi ces moyens que les ennemis de l'islam ont mis pour égarer les musulmans chefs en islam, il y a le fait de combattre la religion par la religion, c'est-à-dire apporter des innovations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, amener des choses qui n'ont pas existé hier et qui, ces choses-là hier, n'ont pas constitué la religion. Voilà pourquoi Allah nous a mis en garde et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a mis également en garde contre toute forme d'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est allé même nous montrer les sifat, c'est-à-dire yani, les caractéristiques de ces personnes-là et de ces œuvres-là qui sont innovées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde et dit « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya » Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande ici et dit « Suivez ce qui vous a été révélé ou bien descendu venant de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et ne suivez pas yani, d'autres alliés que lui. » Et dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Il dit de suivre la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur. Allah lui-même a qualifié cela la meilleure des révélations, donc il n'y a pas autre chose qui viendra yani, dépasser cette meilleure révélation, cher frère d'Islam, qui est la parole d'Allah et les enseignements de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il nous a laissé ou nous a légué yani, deux choses. Si nous nous attachons à ces deux choses-là, nous ne serons jamais égarés. Il a cité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna authentique de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, le messager, disait chaque fois que la meilleure des paroles, c'est le livre d'Allah et la meilleure voix, c'est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses, c'est d'innover et toute innovation est égarement. Voilà pourquoi, chef de l'islam, à travers ces versets et ces enseignements de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons compris simplement que Allah nous recommande de suivre ses enseignements et suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et éviter toute forme d'innovation dans la religion d'Allah, car les innovations ne font que nous éloigner et nous écarter de la vraie religion, chef de l'islam. Et c'est la pire des choses, comme l'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umur muhdathatuha. Et chers frères d'Islam, comme vous le savez, les innovations sont des comportements que le diable aime beaucoup plus que même le péché, chers frères d'Islam. Et cela va vous étonner que pourquoi le diable aime les innovations que le péché, parce que celui qui est dans le péché, il est dans l'usure, dans la fornication, dans la désobéissance aux parents, dans le vol, il est conscient que ce qu'il est en train de commettre est un péché. Et tôt ou tard, yani, il veut se repentir. Et dans son fort intérieur, il sait qu'il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les innovations, ceux qui sont dans les innovations pensent que c'est une religion qui est révélée, c'est des pratiques religieuses, ils ne pensent même pas à dénoncer cela chez l'islam. Voilà pourquoi nous devons savoir, quelle que soit la bonne intention que nous avons chez l'islam, nous ne pouvons pas innover, apporter les nouvelles choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire que moi je le fais parce que j'ai la bonne intention, parce que mes intentions étaient bonnes, ne va pas t'excuser devant Allah subhanahu wa ta'ala de contredire les enseignements du Coran et de la sunna chef en islam. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Si tu refuses le chemin d'Allah et le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit il va te désigner un compagnon qui est le diable et qui sera ton compagnon inséparable, chef de l'islam, et il va se mettre à te détourner du droit chemin. Ce diable va te mettre à te détourner du droit chemin et tu vas penser que tu es sur le chemin. Tu vas penser que ce que tu fais c'est bon. Tu vas penser que ce que je fais plaît à Allah. J'ai la bonne intention, mais tu es dans l'égarement total, chef de l'islam.
Voilà pourquoi nous devons, chers frères musulmans, éviter cela, chers frères musulmans, car le diable, chaque fois il est là, il illumine, il embellit, il y a de tout ce qui est mauvais pour que l'homme suive cela, chers frères musulmans. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit également dans le Coran, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus perdants, les grands perdants en eux, c'est-à-dire il a travaillé, il a bossé, il s'est sacrifié nuit et jour à faire les œuvres, mais il est perdant. Allah l'a qualifié de grand perdant. Allah a dit, ce sont ceux-là dont le fort, dont la vie présente s'est égaré. C'est-à-dire, il a fait beaucoup de choses, mais ces choses n'étaient pas conformes à ce que Allah a demandé ou à ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et il s'imagine faire le bien. Pour lui, c'est le bien qu'il est en train de faire. Mais tandis que Allah n'a pas besoin de notre bonne intention sur des choses qui contredisent les recommandations d'Allah et de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a dit également que ce jour-là, il y aura des visages qui sera humilié, préoccupé, harassé. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont fourni des efforts, des sacrifices dans le but d'avoir la récompense, mais ils seront surpris demain à l'heure de là qu'il n'y a aucune récompense, parce que tout ce que vous avez fait, il n'y a ni personne ne vous a demandé cela, ce n'était pas ma recommandation, ni celui de mes messagers. Alors en ce moment-là, il y a une honneur dans le feu que Allah nous en préserve, chers frères en islam. Voilà pourquoi, chers frères en islam, que les dangers qu'il y a dans l'innovation, il y a les chers frères en islam, c'est que les innovations viennent pour diviser la Ummah, il y a les partager, séparer les communautés, chers frères en islam. Hier, si la Ummah était une et indivisible, c'est parce qu'ils étaient attachés au Coran et à la Sunna. Mais aujourd'hui, que chacun court derrière un courant, derrière les sectes, derrière les awliyas, derrière chacun a un guide qu'il est en train de suivre, et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est devenue partagée, sectaire, chers frères d'Islam. Voilà pourquoi Allah nous avait mis en garde contre tout cela, chers frères d'Islam. Il dit wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah nous a dit déjà que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce droit chemin dans toute sa rectitude que nous devons suivre, le chef d'Islam. Allah ne nous suivez pas d'autre chemin qui va nous écarter du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin d'Allah, la religion d'Allah, c'est une ligne droite, chaque fois l'islam. Et tout ce qui va à gauche et à droite, il est également comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a su nous expliquer cela. Ibn Mas'ud nous rapporte ce hadith. Il dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite. Et voilà le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a tracé d'autres lignes à gauche et à droite. Il dit voilà ces lignes ou ces voies, ces sentiers qui sont à gauche et à droite. À la tête de chaque sentier, il y a un diable qui est là pour chercher à égarer les gens. Et il a récité ce verset que nous avons cité tout à l'heure. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu al-aya. Donc nous devons prendre Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le chemin de nos prédécesseurs, chers frères d'Islam. Il y a ses prédécesseurs, as-salaf, as-salaf. Il n'avait que le droit chemin, le chemin d'Allah. Et ils évitaient toute forme d'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces innovations, nous avons dit, il y a ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui voient comme une réalité parce que beaucoup de gens le font, à savoir la manifestation de la naissance de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit, ces innovations n'ont aucun fondement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, chef de l'islam. Personne ne peut aider Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus que Abu Bakr, plus que Omar, plus que Ousmane et plus que Ali. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il m'a été autorisé de prendre un bien-aimé parmi les créatures, j'aurais pris Abu Bakr Sadiq comme mon bien-aimé. Mais avec tout cela, ils n'ont jamais imaginé cela, Yali, amener une manifestation pour commémorer la naissance de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils aimaient la Sunna, mais ils savaient que Yali, élever Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est en faisant ce qu'il a recommandé, chef de l'islam. Yali, tout ce qu'il nous a demandé de faire, on ne le fait pas. Beaucoup, peut-être on ne le fait pas, mais tu verras qu'on est prêt à manifester, Yali, parce que c'est l'anniversaire de sa naissance, chers frères en islam. Nous disons que qu'il n'a pas besoin de cela, il a mis en garde sa Umma de ne pas faire de lui comme ce que les chrétiens ont fait de Isa et de Marie. Il disait ça chaque fois de son vivant, ne faites pas de moi ce que Yali, les Nassouara ont fait de Isa et de Marie, exagérer sur ma personne jusqu'à venir diviniser. Et
aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des poésies, il y a qui va se faire au nom de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, au nom de l'amour que nous avons de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais des poésies, il y a des shirkiyas avec des mots et des trucs, il y a qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, chers frères d'Islam, nous devons éviter cela. Faisons d'abord ce qu'il nous a demandé de faire, l'essentiel dans notre prière, dans nos relations, avant de chercher à compliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'a pas été religion hier, chers frères d'Islam, ne deviendra pas religion aujourd'hui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux-là qui écoutent la parole et qui l'appliquent et qui nous montrent la vérité, que nous sachions que c'est la vérité et que nous suivons cela, qu'il nous montre le gouvernement, qu'on sache, c'est de l'obscurité, quelle que soit la majorité des gens qui vont le faire. Si tu es serein dans ta croyance et dans ta foi, dans le Coran, Allah nous a dit que la vérité ne se trouve pas toujours avec la majorité. Ça, c'est la loi de la vie. La loi de la vie ici, on dit que la vérité, c'est avec la majorité, même si c'est des mauvaises choses. Mais auprès d'Allah, ce n'est pas sa chef en islam. Même une minorité, lorsqu'ils sont sur la vérité, ils resteront sur cette vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde l'a fait que toi tu vas être un suiviste seulement, que Allah nous donne la bonne compréhension. Allahumma izza l'islam al muslimin. Allahumma izza l'islam al muslimin. Allahumma izza l'islam al muslimin. Wazil la shirk al mushrikin. Wazil la ada al din. Wansur ibadat al muwahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduika wa aduihim. Waja'alhum ghanimata lil islam al muslimin. Allahumma ajin nufusana taqwaha wa zakiha. أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتليا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرت لرحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.